Bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle grande section et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la prononciation du son I, formé avec les lettres I double L. La lettre F et le son I donnent la syllabe fille. Notez la séparation des syllabes entre les deux L comme dans le mot une fille. F i 2 E, FI. Voyons d'autres exemples du son I à l'aide de l'arbre aux syllabes. La lettre B et le son I donnent la syllabe BI comme une bille. BI2LE Bille. La lettre n et le son i donnent la syllabe ni comme une chenille c h e -che, n i l e ni chenille La lettre r est le son I donne la syllabe ri comme une grille g r i deux e grille la lettre t et le son i donne la syllabe ti comme une lentille l -E n T, i deux L, E ti, lentille. La lettre V et le son I donne la syllabe vi, comme une cheville. C H E che, V I deux L, E vie cheville. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. A, accent grave. A. La. L-A. La. Récré. R-E, accent aigu. Ré. C-R-E, accent aigu, crée, récré. je, j-e, je. joue, j-o-u-e, joue. o, a-u-x, o. bi -e b-i-deux-l-e-s, passons à la lecture de cette phrase. Pensez bien à faire une pause à la virgule et baisser la voix au point. Comme ceci. À la récré, je joue au billes. À la récré, je joue aux billes. À la récré je joue au billes. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.